Nouvelle manifestation à Lyon aujourd'hui contre la réforme du chômage qui doit entrer en vigueur le 1er juillet. Rassemblement à l'appel de la CGT qui déplore que cette réforme baisse les indemnisations des travailleurs les plus précaires. Cette réforme-là inique qui va entraîner des baisses d'indemnisation de 17% en moyenne et puis jusqu'à 30-40% pour les travailleurs les plus précaires. Il faut non seulement l'abandonner, mais au-delà de ça, il faut qu'on réfléchisse à comment reconquérir notre protection sociale. En ce qui concerne l'assurance chômage, c'est une assurance chômage qui indemnise tous les travailleurs qui sont privés d'emploi. On a une revendication, les 32 heures, c'est 4 millions d'emplois supplémentaires. 4 millions d'emplois supplémentaires, c'est 120 milliards d'euros de plus pour notre modèle de protection sociale, dont l'assurance chômage.